Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes, à braver le désert ou à traverser la Méditerranée pour l'Eldorado européen ou américain. La faute à la précarité des économies des pays africains et même aux pseudo-indépendances obtenues. Vous n'êtes pas en mesure de me donner, n'est-ce pas, un pays de la sous-région aujourd'hui qui maîtrise vraiment son économie. Et même, allons plus loin, l'indépendance n'est pas politique. Les choses nous sont dictées de l'extérieur. Donc les conséquences de tout cela, c'est la souffrance. Et nous nous trouvons face à une jeunesse qui n'a pas de travail, une jeunesse qui cherche désespérément à se créer une place sous le soleil. Voilà pourquoi ils sont obligés, n'est-ce pas, de nous quitter. Cette situation inquiétante qui endeuille les familles et vide le continent noir préoccupe les évêques de la sous-région Afrique centrale réunis à Douala. Tout le monde a le droit d'émigrer, mais lorsque une personne émigre pour des raisons vraiment des contraintes, c'est là que l'Église peut intervenir pour que nos jeunes ne continuent plus à prendre ce chemin de l'aventure qui se présente comme un chemin de non-retour. Un chemin au bout duquel ils périssent, soit dans la Méditerranée ou bien dans le désert. Pour ces hommes d'église, en plus de la prière, les jeunes doivent être mieux formés et éduqués. Par l'éducation et une formation professionnelle, donner à notre jeunesse les moyens adéquats pour reprendre en main leur propre avenir et ne pas se lancer dans une aventure sans fin. Ces assises de Douala, qui ne sont pas les premières autour de cette thématique, sonnent comme un plaidoyer pour les jeunes du continent africain. À l'issue de ces colloques, nous sommes censés produire un guide, un directoire, pour voir dans quelle mesure nous pouvons orienter nos jeunes dans le choix qu'ils font d'immigrer ou non. Avec cette exhortation des prélats, l'espoir de sauver ces aventuriers de l'immigration est plus que jamais permis.